Bonjour à toutes et à tous, ici Serikai et je vous retrouve sur EU4 avec la Serbie. Alors j'ai une idée pour taper sur l'Ottoman. Taper indirectement sur l'Ottoman via Raguse. Il est protégé par. Bon, le pape et les Ottomans. Moscou ne viendrait pas. Avant les autres, ils viendraient. Donc on aurait largement une certaine numérique déjà. Après, si vous êtes sûr que Moscou vienne, je pourrais toujours emprunter du pognon à Moscou et faire un truc du genre, ben j'emprunte du pognon. À Moscou, enfin, j'emprunte de l'argent, je paye les dettes de Moscou, comme ça les troupes de Moscou rappliqueraient. Ça me ferait la dette, hein. Bon, après, il y a 10 000 hommes de moins quand on vire Raguse et le pape, et puis 15 000 quand on vire Raguse. Ouais, bah, on virait 15 000 hommes, on neutralise Raguse et le pape. Bon, c'est quoi? Je suis joueur, ben, je tente au bout d'un moment. Si ça foire, bah tant pis. On a quand même construit un truc militaire. Autriche, enfin non, Mamelouk 30 000, 38 000. Ottoman 35 000. Il y a 36 000. Eh, il y a 35 000 de réserve militaire. Hein. Pologne, il y a 7 000 de réserve militaire. Aïe. Moscou, il y a 27 000. C'est con qu'il n'y ait pas la Lituanie, hein. La Lituanie, c'est pas un pote. Et toi, je peux pas te virer de mes rivaux, Gênes? Même pas pourquoi, parce que. La rivalité avec la Serbie. Enfin, avec la Gênes. Ouf, si je vire Gênes, ça se passe quoi? Là, tu m'aimerais beaucoup mieux déjà. J'ai tenté quand même le coup contre contre Raguse. Les forteresses niveau 3 en plus. Que nous, Ramazan. Le Mamelouk, tu fais quoi, toi? Il pas intervenir, s'il te plaît, le Mamelouk? Le Mamelouk, là, franchement, s'il y avait un pays qui est dans la merde et qui te déclare la guerre, c'est l'Ottoman. Et pire, Mamelouk. Attends quoi, toi, le Turc? Attends quoi, le Turc? Jamais trop d'argent, oui, c'est sûr. Bureaucratie, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Le monde de la cour. Autorité. Régional, ouais, bof. Préfet, c'est celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Ça coûte cher, je sais, bon, c'est pas grave. Et là, normalement, Moscou. On a tous les potes là, on va être l'Ottoman en mode hop. C'est merde. Voilà, hop, on a appelé tous ces connards. Et se demande à tous les autres comptes de venir, Moscou aussi. On peut balayer l'Ottoman avec l'aide des Moscovites et des Géorgiens. On balaye l'Ottoman, on balaye le pape.
Charles, j'ai pas le fort à Kosovo, ni ici, j'ai pas construit le fort. Il a construit un fort, il me semble, à une époque, non? Oh là là. Et faire quoi, une poursuite? S'il vient jusqu'à se jeter sur moi et que l'autre le poursuit, ça pourrait être une bonne chose, hein. Et la Ligue de Prusse, la Prusse ducale. Sigmund de Hohenzollern. Putain, par contre, le Turc se fait casser les culs, là! J'aime! J'aime ça! Là, pour mentir, si je peux m'arracher des morceaux entiers de territoire ottoman, je peux faire, hop, une ligne comme ça, sur la côte, pour lui piquer les deux forteresses-là et sa capitale. Moi, j'ai qu'il y a un truc à faire. Je vais prendre Gilibolu, il est plus fort sur ça, Gilibolu. Il a supprimé sa forteresse à Gilibolu, le con. Oh! Et là, franchement, il y a un coup à jouer. Là, c'est vraiment la... Je me suis endetté, ok. Mais c'est vraiment la bataille où je peux... Enfin, la guerre où je peux ruiner le Turc. Bon, il va où? Il va à Rome? Très bien. Ok, il les poursuit là-haut, je sais pas ce qu'il les poursuit exactement. Bon, en tout cas, moi, je vais taper jusque sur... Une fois que j'ai fini de taper Ragus, je vais m'occuper du pape. Je vais dire au Polonais, file-moi le reste du pays, s'il te plaît. Putain, oui, à Moscou, là. Oh, ça fait du bien. Et franchement, si là, on les défonce, si je défonce le Turc, je pourrais souffler un bon moment, là, parce que là, ouais, je serais endetté, mais... Ça aurait tellement valu le coup. Allez, Polonais. Allez, soyez gentils, occupez le reste. Et en plus, vous n'avez aucun claim là-dessus. Hein. Allez, prenez tout, les gars. Moi, je vais m'occuper de taper le pape pour l'empêcher de recruter les troupes. Et là, en plus, c'est bon, ça tient, ça tient. L'Ottoman sortira de manière séparée. Je prends ça. Je vais pas prendre plus 50%. On va prendre ça alors. Bien, si je prends Gilibolu, prendre Gilibolu, ça lui permettra de bloquer. Donc je vais demander la paix. Si je fais effacer l'offre. 76 déjà. 86. 100. Ok. Ok, c'était hyper cher. Pas grave. L'important, c'est au moins de prendre Gilibolu pour pouvoir bloquer une... tenter de bloquer le détroit. Et après, on prend un Constantinople, c'est notre guerre, c'est tout. Merci aux Russes là, merci aux Moscovites. Hein. Ils font diversion. Tous ces cons font diversion. Ouais, je sais que j'ai presque été un peu abusé. Bon, je veux dire, l'Ottoman, c'est quand même un ennemi qui est quand même dangereux en début de game. Si je l'affaiblis bien là, j'arrive à le faire une guerre là, pour prendre plein de terres et une deuxième guerre pour vraiment le tuer, peut-être que le Mamelouk va peut-être se bouger le cul et va peut-être l'achever. Ma priorité, c'est de faire en sorte que l'Ottoman soit plus une menace. Au moins, 5 soutiens est mort. C'est pas grave. Il fait quand même pas la discipline, mais bon. Pour l'instant, on a plus de besoin. On peut quand même en reprendre un, on va pas être des rats. J'ai plus de diplôme pour la prendre aussi, hein, je veux dire, je suis positif en termes de thunes. Ici les gars, on va prendre cette province là pour détruire la troupe du pape avant qu'il nous rechute des hommes. Constantinople, oui, ça me plaît, ça me plaît.
C'est pas modeste. Bon, là, c'est la Géorgie qui prend tout. Mais le temps qu'il perd à aller attaquer la Géorgie, il est pas en train de siéger les Balkans. Là, faut que je vire des Balkans. Est-ce qu'on peut les tuer, ces cons-là, ces troupes du pape, là? C'est tuer les troupes du pape. Non, te casse pas, te marre pas, mon gars. Faut que j'achève. Alors, tu as tué? Ouais, tu as tué, c'est bon. On les poursuit, faut que vous les poursuivez. On les a tués, c'est bon. Bon, les hospitaliers, c'est pas une grosse menace. L'important, c'est vraiment... Oh oui, on a pris Constantinople! On a pris Constantinople! Yes! 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 On continue à piller l'Ottoman là, hein. Eh les gars, elle est par là, hein. Voilà, ils se déplacent tous vers l'est, c'est parfait, c'est parfait. Bon, la putain de Babylone ici, qu'est-ce qu'on va en faire de Rome? Je peux demander des trucs. Ça sert à faire deux questions, y a rien à prendre. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut libérer? Ancône, il n'y a pas de claim. Ah, là, il y a Urbino qu'on peut libérer. On est bien un petit vassal, Urbino. Petit vassal italien, Urbino, ça pourrait être sympa. On libère Urbino qu'on filerait avec Ancône. Mais toi, tu fais pas chier là-haut. Oh, il va là-bas. Oh, il va. Ah, j'ai oublié d'être là. Je vois pas pourquoi le mec voulait pas se barrer, mais il y a ça aussi, il y a Avignon. Ah, il va déjà, il est gentil, il va déjà. Ça, j'oubliais Avignon à chaque fois. Et je suis bête, moi. La France, t'es comment? Tu verrais bien de pote ou pas? Non. Puissance neutre, non. L'Autriche? Bah, non. On est en guerre. L'argent, voilà, c'est toujours une bonne chose. Et lui, il sera pas tenté de m'attaquer. Puis voilà, il y a une bonne relation, là. Tu seras plus neutre. Pote. Bon là par contre l'occupation d'Avignon par la Pologne va faire très très mal. Je prends un Tech 5 et comme doctrine je sais pas tout ce que je vais prendre. On a la Pologne de se pointer ici. Bon, le pape là. Tu veux pas arrêter de faire suer un peu là? Qu'est-ce que je prends comme doctrine? Oh, les troupes vont faire tuer. Qu'est-ce qu'on prend comme doctrine? Plus on est un petit peu en avance, alors hop, on prend tout ça à prendre. C'est un peu exagéré sur les troupes. Enfin, on sait jamais avec le Turc hein, au début du jeu. Hein. Faut que je le tue avant 1500 en tout cas. Quand 1500, les buts, vraiment, je les pourris ici. Hein. Tu as fait le 4 octobre, toi tu seras le 5. On se jette sur lui là, le pauvre Turc là. Allez, tout le monde dessus, allez, tout le monde dessus! Yes! Yes! 3-6 de morale, 0-7, 105 discipline. Et pas tellement plus dangereux hein, pour l'instant. Parfait, le siège de Rome est tombé, parfait! France va attaquer la Provence, mais je m'en fous moi de la Provence. Rien à péter la Provence.
Oui, qu'à 50 le Turc. Oh. Une province qu'on voudrait bien avancer là. Il y a Tine là, qui est tombée. On va laisser cramer sa capitale là, s'il y a des rebelles. Hein. Et pas y foutre les pieds. Hein. Là, il n'y a pas une petite guerre là qui va se faire là. Je sais pas, un pays qui va déclarer la guerre là. Genre, Mamelouk. Tu vas pas te taper sur l'Ottoman, j'ai vu comment il a faibli. À 2%. Ça vaut le coup de se faire chier avec un vassal là-bas. Quand on peut se gaver plus sur l'ottoman. Oui, je pense que oui, un vassal c'est toujours bien un vassal, tranquillement. Mais si je prends le vassal là, je me fais quoi? Je prends 46%. Et si je fais la paix avec le turc là, je prends par exemple, tout ça, on va dire, je prends 54%. C'est une collection. L'Italie, ça coûte hyper cher. C'est hyper coûteux, les collections là-bas. On se paye une merde. Bon, et puis on va attendre tranquillement. Elles sont agressives. Je fais combien? Moins 0. Personne soucie de mes conquêtes. Je veux dire, le fait que j'ai bouffé la Bosnie, pff, tout le monde s'en fout. Bah, merci les gars. Moi, ça me va. Hein. Ok, bah, donc, juste finir là-bas, hein, tranquillement. On va laisser pourrir un peu la capitale de l'autre connard. Hein. T'as pas fait un peu le pognon, mon gars? Réparation de guerre? Voilà, j'ai pris les deux provinces là, tranquillement pépère. Enfin, un vassal, évidemment. Mission menée à bien. On va voir le code minier. Plus de productivité, la haute école. Ouais, il faut l'imprimer, ok, super. Par contre, ma collection, c'est qui? C'est des connards en Italie, évidemment. Autrement, par contre, 7. Tout le monde s'en fout. J'achète les trucs là-bas, hein, tout le monde s'en fout. Il est prêt pour... Il est d'accord pour que je ferai toute la Macédoine, ok. Je vais pas rendre des trucs, par exemple à la croix. Ok, Naples annule l'accord, l'axe militaire, c'est très très mal. On va mettre une relation avec Naples. Et avec le plus de pays possible de merde dans ce coin-là. Alors, et qui a Florence? Écoutez, car j'ai une collection. Hein. Il pourrait être choqué du fait que je me sois gavé. Il y a beaucoup qui sont agressifs, surtout en Italie. Surtout les Rital qui me font peur. Hein. Bon, pas trop tarder. À qui? Gênes, Bologne, Mantoue, Sileye? Bon. Dans quelques mois en plus. On va attendre le passage l'année suivante. Non, j'ai pas légitimé, j'ai pas envie de les clés, mais j'ai pas. Ce sera pas des corps, ça. Je vais en faire un vassal. Après, j'ai pas non plus prendre le risque que Constantinople tombe. Allez, je vais faire la paix avec l'autre coron. Pas la peine de prendre la thune, hein, ça sert à rien. Ah, je me rends jusqu'à 7 points. Et c'est pas une province à 7 qu'on pourrait taxer. Ce serait pas trop cher. Yania. Cher. Hein.
J'arriverai pas, lui. Attends, il va prendre ça. 13, 8. 12. Voilà, déjà savaté tranquillement pépouze le turc. Là, quand même, là, j'ai quand même bien ouvert le cul, hein, le turc. Hein. Alors, déjà, confiscation des terres. Hop. Confiscation des états. Alors, on va demander quoi? 5 expansions, moins 1. C'est la 5 expansion, déjà. Diplomatie. Alors, ici, on peut libérer Urbino. Urbino, je vais t'accorder la province de Ancône. Et puis bah, nous, pour le reste, mission mena bien dompter Magna. Reprendre la Cédoine. Quelles provinces là sont légitimes, hein? Donc j'ai des claims sur toute la Grèce, hein. Donc voilà, le but sera de reprendre la Grèce, hein. Je vous le dis direct. Prochaine guerre, ce sera contre. On va s'arrêter uniquement le Turc, hein. Qu'est-ce qui gueule? Pour rejoindre une coalition. Eux, non. Eux, ouais, mais bon, ça va. Eux, ils me détestent, de toute façon. Gênes, ouais. Bologne aussi, oui. Allié au pape. Allons reçoit tous ceux qui pourraient rejoindre une coalition. Heureusement, l'Autriche est même précis assez bien. Ouais, c'est sûr que neutre. Comment ça, puissance armée serbe, moins 25? Tu te fous de moi? On a tapé, on a détruit l'Ottoman, je te rappelle, hein. Enfin, on. On. Autant quand même plus 63%, hein. Puis bon, le pape me déteste, hein, tant pis, hein. Voilà. Puis moi, regardez, j'ai relâché Urbino, j'ai pas conquis, j'ai juste relâché un vassal. C'est un vassal, c'est même pas de la conquête, j'ai même pas annexé, vous avez vu? Je suis pas méchant. Enfin bon, prochaine guerre, faudrait qu'on essaye de lui bouffer la Grèce. Vas-y, ce sera pas une guerre indirecte, les gens. Ah, l'Autriche a pris un petit morceau là. Y a pas un pays qui voudrait tabasser l'Ottoman, je veux dire, je sais pas, le Mamelouk là. Je me dis, c'est une coalition. Petite fiotte. Bah, c'est quoi, tu vas faire une coalition si tu veux, mon gars? Je vais demander à tous les autres pays de se tirer. Et en mai 89, dans 14 ans. Je redéfoncerai l'Ottoman. Avant qu'il soit une menace. Pourquoi tu me rivales, espèce de con? Vas-y, dis rien. Il revendique quoi? Il revendique Dubrovnik? Non, à part la Dalmatie, Raguse, l'Autriche. Guerre civile en Castille, ok. Mais l'Ottoman, il va faire quoi? Est-ce qu'il va tabasser l'Aragon? On voit même pas comment ça fait que tu aimes ce pays de merde. À moins que la Pologne, tu l'aimes plus, hein, l'Ottoman. Tu l'aimes plus parce que tu as des claims, tu revendiques les Balkans, c'est ça? L'avantage du Napoléon, c'est que tant qu'il n'a pas les deux provinces là, il pourra pas revendiquer les Balkans. Il y a toujours la Prusse ducale ici, hein. Et Danzig? Bah, ça fait que. Comment ça fait que Danzig est à la Pologne? Alors qu'il a l'autre con là en vassal? On prend pas le délire. Toi, Nap, ça a rien de monter en relation, t'es une dupée. Bologne. On va essayer de monter les relations avec Bologne pour pas qu'ils rejoignent la guerre, enfin la coalition. Pareil avec Gênes. On le monte absolument. Il veut Saloun. Bah écoute, Salonique, c'est à moi, je la garde. Tu la veux, il va falloir venir. Hein. T'as intérêt à te taper fort, hein. À te lever tout, mon gars. Bon,
Mais son conseil était Pologne. Non. Non, je suis con, pas peine de voir un faux espoir, c'est monarchie parlementaire. Je peux pas avoir dupé dans le système à la con de la Pologne. Quoique. Attendez, s'il refuse de l'UP, y a pas, ça n'annule pas justement la mise en place du système spécial? Où est-ce qu'on peut voir les réformes? Les réformes gouvernementales. On peut pas voir les réformes gouvernementales? Dommage. La Lituanie se fait grignoter lentement par Moscou. Du pognon qui rentre! Pacifier les Albanais! On pourrait pas avoir un truc qui donnerait Albanais culture acceptée? Il faudrait une icône. Icône. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme icône? Ouais, pour une prochaine guerre, ce serait pas mal. J'aurais dû te prendre, toi, Saint-Nicolas, en fait. Bon, on est de dev, de l'autonomie, on est comment? Partie byzantin. Pourquoi vous me faites chier, les gars? Byzance est morte. Byzance est morte et enterrée! Bon, là, c'est pas pareil, jusqu'en 1594. Le scientifique, il me casse les couilles, il est mort. Tant pis. Un scientifique niveau 1 qui apparaît, ce serait sympa. 75 thunes, c'est pas mal, mais. Un scientifique qui apparaît. Remarque, s'il y a l'event de la comète qui arrive, ça m'arrangerait. Pensez que l'event de la comète va apparaître. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, ça, j'ai de la corruption un petit peu qui est encore un peu élevé, bon. 10, 7, 6. Belgrade. Améliorer. Par contre, pourquoi pas un peu baisser certaines choses. Hein, forteresse, dépenses diplomatiques. Ah oui, c'est Urbino là qui me casse les pieds. Maintenant les états. Où ça que... Construire un truc, on peut construire... Marché, ben marché à Belgrade. Et si on veut de la thune au pire, il y a un truc très simple. Voilà, plus de 33. Ouais, ok, il va falloir... Dès qu'on a fini de corer tout ça, on transformera tout ça en un état. Il y a la Grenade compagnie. Akenlou et Ramazan. Ramazan, c'est une poubelle. Akenlou, ouais, il peut être chiant. Grenade, le temps qu'il vienne, Grenade, on a le temps de le revenir. Bologne, tu veux pas te barrer, Bologne. Regarde ce qui se passe autour, hein. Je sais pas si t'as remarqué qu'il y a un gros pays qui commence à taper, hein. Gênes, on était à moins 1 de relation. Il serait passé un mois de plus, on était tranquille. Et la Renaissance, enfoiré. Et moi, j'ai quand cette institution-là, la Renaissance? Ça vous coûte quoi, 81? Bon, ça sera pas trop cher, c'est sûr. À 51. Âge d'or. Oh putain. 66. 1,49. Bon. Moi je m'arrête là pour aujourd'hui.
Moi, je vous dis au revoir, à la prochaine, et salut tout le monde. Bye bye!